Le cosplay, ce qui est intéressant, c'est que ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Ben, déjà, on doit faire une prestation, donc c'est aussi du théâtre. On doit faire notre bande son, on doit faire nos costumes, donc ce qui nous apprend à faire de la couture, des armes, manier le bois ou plein d'autres matériaux, comme le warblast, c'est un matériel thermoplastique qu'on utilise beaucoup pour faire des pièces d'armure. Même coiffer des perruques, les couper, les styliser, plein de choses en bref. Et c'est ça que ça m'apporte en fait, ça me permet de me réaliser et de réaliser des choses que j'aurais jamais pensé en fait pouvoir faire de mes propres mains avant, et c'est très satisfaisant. Voilà. Moi j'ai un entourage qui trouve que c'est trop cool ce que je fais, ils voient le côté artistique de la chose. C'est vrai que la plupart des gens qui vont se moquer, c'est parce que eux ils se disent ah mais t'es un adulte qui se déguise comme un enfant, puis ils voient pas le travail qu'il y a derrière, et ils disent c'est carnaval. Voilà. Je présente donc 3 costumes à Paris Manga pour 3 concours différents. Et du coup, je suis très en retard parce que ça fait une année seulement que je suis dans la vie active. Et c'est vrai que j'ai mis un certain temps à m'habituer. C'est pour ça que je suis vraiment à la bourre. Et du coup, ces prochaines heures, je vais devoir tout finir parce qu'en fait, aucun des 3 costumes n'est complètement terminé.